Le très précieux sang de Jésus-Christ est offert chaque jour dans le Saint Sacrifice de la Messe Sainte. Le sang de l'agneau immaculé fut offert sur la croix, dit saint Thomas d'Aquin, pour quatre fins principales. Pour rendre l'honneur infini qui est dû à la divine majesté, tribut que toutes les créatures ensemble n'étaient pas capables de lui offrir. Pour donner satisfaction à sa justice divine de tous les outrages reçus par les hommes. Pour remercier sa bonté infinie de toutes les grâces qu'elle daigne nous dispenser et pour obtenir les autres grâces nécessaires à notre salut. C'est encore pour ces mêmes fins que Jésus-Christ revient chaque jour sur les autels sacrés et renouvelle dans le sacrifice de la messe l'offrande qu'il a déjà faite de son précieux sang sur le calvaire. Par là, chacun comprend l'excellence et la sublimité d'un pareil sacrifice que le Concile de Trente appelle l'action la plus sainte qui puisse se faire dans l'Église. C'est le trésor caché, le centre de la religion chrétienne, le cœur de la dévotion, le soleil des exercices spirituels, le mystère ineffable qui comprend les abîmes de la divine charité. Toutes les fois qu'a lieu ce saint sacrifice, autant de fois ce divin agneau offre son sang inestimable à son divin Père, après l'avoir déjà versé sur le calvaire pour nous sauver. Autant de fois se renouvelle le sacrifice qu'il offrit pour nous sur la croix. Comment assiste-t-on à un si grand mystère? Comment offre-t-on de concert avec le prêtre ce sang divin? Que d'irrévérence, que de scandale ne voit-on pas dans nos églises au moment même où se célèbre le mystère eucharistique? On peut dire de tant de chrétiens présents à ce sacrifice qu'ils y sont comme les Hébreux sur le calvaire, c'est-à-dire pour outrager Jésus, pour ouvrir de nouveau ses blessures, pour verser de nouveau son sang, au moment même où ils devaient l'offrir pour leur salut, le verser pour leur propre condamnation. Combien le sang de Jésus-Christ accuse ces âmes inconscientes. Vous, âmes dévouées à ce précieux sang, soyez attentifs à ce grand mystère. Offrez avec une foi vive, avec une ardente charité, ce sang de sacrifice pour vous et pour tant de malheureux pécheurs. Par ce sang adorable, rendez au Père éternel l'honneur qui lui est dû. Rendez-lui les plus affectueux remerciements. Obtenez l'abondance de ses grâces en assistant avec une grande foi au saint sacrifice de la messe. Que vos délices soient de vous tenir avec une modestie exemplaire dans les églises où se célèbre ce sacrifice, comme faisait saint Charles Borromée, qui disait que son seul bonheur, son paradis sur la terre, était de demeurer dans l'église et d'assister au saint autel. Aujourd'hui, c'est saint Homobon qui vivait à Crémone dans la profession de marchand. Non seulement il évitait la fraude et l'injustice, mais sa charité envers les pauvres lui avait généralement mérité le nom de père des pauvres. Extrêmement adonné à la prière, il allait chaque nuit à l'église de Saint-Égide pour assister avec une grande dévotion aux matines, après lesquelles il restait très longtemps agenouillé devant une image de Jésus crucifié. Venait ensuite le moment de célébrer la messe, il participait dans un grand recueillement. Le jour arriva enfin où il devait recevoir la couronne dont il était digne. Il était allé selon sa coutume dans l'église où il pria matine et fit oraison aux pieds de son Seigneur crucifié. La messe ayant commencé, il se jeta la face contre terre au moment du gloire à Dieu. Personne n'y fit attention.
car c'était son habitude. Mais quand on vit qu'il ne se relevait pas à l'évangile, on crut qu'il était endormi. On voulut le réveiller, on s'aperçut alors qu'il était mort. Le bruit s'en répandit aussitôt. Le peuple accourut en foule. Dieu fit briller sa sainteté par un grand nombre de miracles. Comme nous le voyons en ce miracle eucharistique, où nous voyons le précieux sang de Jésus dans le corps du Christ. Puissions-nous assister à la messe qui est le sacrifice par excellence, à un miracle eucharistique tous les jours. Quelle grâce nous avons! Comment la vivons-nous? Prions. Je reconnais, mon Jésus, le grand amour que tu as témoigné à ton Église en instituant le saint sacrifice, la scène, le jeudi saint, par lequel tu offres chaque jour à ton divin Père ce sang inestimable que tu as déjà offert sur la croix. Mais je reconnais aussi l'irrévérence avec laquelle j'assiste le plus souvent à un tel mystère et le peu de dévotion avec laquelle j'ai entendu participer et parfois prier à la Sainte Messe. Il me semble entendre jusqu'au fond du cœur les justes reproches de ton sang. Il n'en sera pas ainsi pour l'avenir. Je saurai apprécier le trésor que tu nous laisses. Il ne se passera pas un jour sans que je t'offre ce sang en m'unissant au prêtre et en joignant mon intention à celle que tu as eue toi-même, ô mon Jésus, quand tu l'as offert sur l'autel de la croix. Je t'adorerai du plus profond de mon cœur, unissant mes adorations à celle de ta Sainte Mère alors que tu étais sur le calvaire, à celle des anges, de tous les saints, de tous mes frères et sœurs qui assistent à la messe, à ce saint sacrifice et qui y participent, qui le vivent et le célèbrent. Ce sang, il m'accuse à grand prix. Moi par qui le scandale arrive. Rends-moi, dit cette voix plaintive, rends-moi les cœurs que tu m'as pris. Doux Jésus, ma seule tendresse, ton sang verse en mon cœur une divine ivresse. Amen. Sang du Christ, enivre-moi. Sang du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, protège-moi. Amen.